C'est à vous la suite à notre table ce soir, l'homme qui est tombé pour elle. Ah merde. L'important, c'est d'aimer. Plus de 5 millions d'albums vendus en tout à Energy Music Award, une victoire de la musique, 11 albums, 25 ans de carrière solo, 1990, son millésime. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Pascal. Bonsoir Pascal. C'est un jour exceptionnel hein, aujourd'hui puisqu'il a 18 ans. Oh. On va fêter les 18 ans de mon fils, allez. Oh. Bon anniversaire. Santé, bon anniversaire. Voilà. À lui, à c'est toi. Bien, non, ou pas? C'est génial. Oui, bah, et vous lui offrez quoi? Pardon? Vous lui offrez quoi pour ses 18 ans? Il n'a pas encore décidé. Ah, c'est lui qui choisit. Ah bah c'est normal. À 18 ans, il est majeur, je peux plus rien dire. On est ravis de fêter l'anniversaire de votre fils et de vous recevoir à l'occasion de ce 11e album qui est une sorte d'autobiographie musicale, votre vie racontée en 18 chansons, avec notamment ce titre « On n'a rien fait de mieux ». Vous parlez pas de vous, évidemment. C'est une très jolie chanson dédiée à votre femme Julie, qui chante d'ailleurs avec vous sur cet album. C'est une première, un album qu'a adoré Pierre. Oui, j'ai adoré 18 titres. Il y a deux bonus à la fin, tout le monde découvrira, mais il y a 16 titres écrits, conçus, composés par vous. C'est comme des nouvelles de bouquins. C'est des histoires, c'est des atmosphères que vous proposez. Il y a aussi des évocations magnifiques de Lennon et McCartney, adolescents, puis de votre adolescence, en écoutant les chansons révélatrices de Souchon et Woolsey. Il y a des arrangements incroyablement et magnifiquement créatifs. Il y a un boulot ça sur les arrangements et sur la musique qui est vraiment à tomber. Des duos, il y a celui avec Julie, bien sûr, mais il y a Christophe, il y a Violet, Philippe Pascal, Marquis de Sade, vous allez en reparler tous les deux, Youssou N'Dour, Calogero. C'est vraiment, c'est luxueux et c'est une forme de littérature musicale. Voilà. Écoutez, je ne sais pas quoi dire de plus. Merci, c'est vrai que j'ai mis beaucoup dans ce disque, mais j'ai l'impression que quand on écrit... quand on écrit soi-même sa propre histoire, ses références, littérature, en peinture, en sculpture et en musique, évidemment, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus précis, on est beaucoup plus près de ce qu'on est, et puis aussi près de sa génération, aussi, celle qui a aussi, vécu en même temps que vous, en même temps que les chansons de Souchon et Woolsey, en même temps que les chansons des Beatles, en même temps que pour ceux qui étaient à Rennes et qui ont connu aussi Marquis de Sade, en même temps qu'Isabelle Adjani, que Calogero, voilà, et puis tous ces sons que j'ai essayé d'insuffler, tous ces sons qui font partie de mon ADN musical. C'est vrai que pour cet album, je suis revenu à mon ADN musical. Aux sources. Voilà, aux sources. Et j'ai voulu faire un album de pop, un pur album de pop. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas de titre, c'est parce qu'il est vraiment très personnel. Il correspond exactement à ce que, à la musique que j'écoute. En tout cas, merci Pierre pour on doit avoir à peu près une partie de l'ADN musical commun, alors je suppose. Je crois aussi. Alors, on parle de son 11e album, mais d'abord, Abdel. Ah oui, d'accord. Ben oui, la cuisine. Alors, crevette coco. Ah oui, d'accord. Crevette coco. Ah, ça, je ne l'ai pas écrit. Je l'ai pas écrit. Mais c'est un bon album. Crevette coco. Crevette coco avec du gingembre. Alors, ces crevettes, je les ai cuites dans une sauce tomatée avec du gingembre, de la sauce soja. J'ai posé ça au milieu avec du riz gluant autour et une soupe de coco. Voilà. Merci beaucoup, Abdel. Vous avez tout juste passé le cap des 50 ans, Pascal, mais pourtant, vous dites, j'ai retrouvé un peu l'âme du garçon de 16 ans que j'étais en écrivant cet album. L'adolescence, d'ailleurs, que vous évoquez dans Rien ne dure. Rien ne dure, 9 mois plus rien n'est sûr, acné, premier baiser. Il y a d'ailleurs un clip où un jeune acteur peut-être incarne le Pascal Obispo que vous étiez adolescent. Vous étiez comment, ado d'ailleurs? Ben, un peu comme l'acteur, oui. Pas mal alors. On a essayé, oui, ça se passait bien. En fait, c'est un peu une référence aussi, ce clip. Même le clip est une référence à ma musique, enfin la musique qui m'a construit. Parce qu'il y avait un clip de New Order qui s'appelait Crystal, où c'était des adolescents qui remplaçaient. Et quand j'avais vu ce clip pour la première fois, je n'avais pas vu le début, parce qu'à chaque fois on annonce, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce groupe? C'est génial, c'est moi, c'est nous. Et puis à la fin, j'ai découvert que c'était New Order. Je me suis dit, ah bah ouais, très très fort. Et j'avais envie de reproduire cette idée-là pour montrer que finalement, bah, le temps passe, mais on s'attache beaucoup aux marques, au visage, mais finalement la musique, ça reste à peu près toujours la même. Et ma musique est restée toujours la même au fond de moi, mais je pense que ça va pas mal toucher aussi les gens qui me suivent, parce qu'ils vont se reconnaître, j'ai l'impression.
À 16 ans, Pascal Obispo est déjà un rocker, plutôt pas mal de sa personne. Ah, ça, je ne sais pas. Mais... Bah si, c'est ce que vous nous dites. Ah non, moi, je n'ai jamais dit ça. Et puis, dit que ça se passait bien. C'est pas pareil. Ça s'est tellement bien passé aussi, la musique, qu'à 28 ans, premier succès, première télé. Difficile parce qu'on n'a pas d'argent et les déplacements, c'est un peu cher, quoi, le TGV ou le train. Et puis c'est long, enfin, il y a beaucoup de temps perdu, quoi. Autant être à Paris pour faire les démarches, ça va plus vite, un coup de métro, et puis tu sais, t'es fixé rapidement, quoi. Attends, je me chauffe un peu. Ok, je l'ai. C'est chiant d'avoir une chanson qui branche les maisons de disques, c'est un peu long, quoi. Mais bon, tous les gens que j'ai rencontrés ont été très sympas avec moi. Ils m'ont rappelé une semaine ou 15 jours après pour me dire non, la plupart du temps. Voilà, c'est ça. J'adore la coolitude avec laquelle vous racontez ça. Ben oui, parce que c'est une fatalité. Moi, j'ai appris la musique à Rennes, et c'est vrai que toutes les maquettes que je proposais étaient de couleur, on va dire rennaise, sombre et rock, avec une voix sombre. Et puis j'ai pas signé. Et c'est grâce à Paul Naref, finalement, notre ami Michel, que j'ai tout d'un coup découvert la voix tête. Je me suis dit, tiens, si je chantais avec une voix tête, peut-être. Et ça a fonctionné. Donc je suis parti dans un espèce de système, voilà, où j'ai chanté comme ça, et j'ai fait de la pop, et puis j'ai rencontré tous les artistes que j'ai rencontrés, mais j'ai jamais vraiment quitté, parce que sur scène j'ai toujours été entre les deux. Il y avait toujours des moments comme ça, mais vraiment cet album, c'est vraiment le retour à l'essentiel, et je suis à l'ADN Obispo. C'est pour ça que il y a une forme de bien-être en ce moment, et puis je suis heureux que ça plaise aux gens, comme quoi j'aurais peut-être dû faire que ça dans ma vie, mais c'est vraiment quand même enrichissant. Ah ouais, il y a ce regret-là ? Non, c'est pas un regret, mais parce que c'est tellement enrichissant de travailler avec des gens différents. Comme je le disais, pour un compositeur, c'est fantastique de bosser avec des Africains, faire des comédies musicales sur le peuple juif, travailler sur Jésus, ou travailler avec des poésies de Marceline Desbordes-Valmore, travailler avec Johnny Hallyday, Florent Pagny, tout ça, tout est très enrichissant. Mais quand il s'agit de revenir à vous-même, c'est un petit peu difficile, parce que vous êtes... il faut vous débarrasser de tout ça pour vous retrouver réellement. Et ce petit retour à Rennes, il y a quelques années, m'a permis de réécouter et de retrouver exactement ce que la musique a fait de moi et ce que je suis profondément, tout simplement. Cet album, Pierre le disait, il s'ouvre sur un duo, pas n'importe lequel, un duo avec votre femme, Julie, ça s'appelle Et Bleu, on écoute. Et Bleu, c'est à la femme. La Jeanne d'Arc, la Môme, Piaf, Coco Chanel, Simone Veil, Hardy, Curie, et Bleu, créa la vie. Une ode aux femmes, oui. Hein, ce titre. Vous y pensiez depuis longtemps à ce duo avec Julie ? En fait, quand j'ai rencontré mon épouse, ma vie a changé. C'est une bien jolie photo. Et voilà. Tout ça pour dire que les femmes ont une grosse importance. Donc, j'ai un peu mélangé les deux idées. C'est vrai que moi, elle a complètement modifié ma façon de vivre. En quelque sorte, elle m'a équilibré. Je vis désormais en harmonie depuis plus de 6 ans et je suis devenu quelqu'un d'autre. Et naturellement, l'hommage aux femmes qui ont profondément amélioré notre société, notre façon de vivre, qui ont changé tellement de choses au niveau de la mode, au niveau de la recherche, de la science, du sport, etc., à couler de source, quoi. Donc, et qui ne sont pas forcément reconnues à leur juste valeur. Exactement, oui. Enfin, toutes celles que j'ai citées sont connues. Et j'ai commencé cette espèce de petit cadre avec ski, rigolo, avec une musique très 80. Mm. Et quand il a fallu chercher le refrain, ma femme était dans le studio et je lui ai dit, tiens, tu ne peux pas poser la voix sans savoir ce qui allait se passer derrière. Et en fait, on a entendu cette voix. Et en toute objectivité, je suis assez dur quand même en général sur les voix. Pas parce que c'était elle. Oui. Et là, on s'est dit, mais c'est génial. Donc, on a travaillé la voix. Et puis, très, très rapidement, c'est elle qui représente, de par sa beauté, sa gentillesse, sa bienveillance, c'est elle, en fait, qui représente un petit peu toutes ces femmes de France qui nous ont aidés à devenir des gens meilleurs, quoi, en fait. Et vous lui didiez deux autres chansons, d'ailleurs, Il n'a rien fait de mieux. Et Poète maudit, finalement, comme vous le disiez, le bonheur est inspirant. C'est vrai que depuis vos débuts, vous chantez les femmes, vous chantez avec les femmes, vous écrivez, vous composez pour les femmes. Céline Dion, Mora, Natacha Saint-Pierre, Zazie, Patricia Cass, Isabelle Adjani. On découvre dans cet album que vous êtes également un fan, sans mauvais jeu de mots, d'Amy Winehouse. Vous lui dédicacez cette chanson, Amy.
oui. Hein, une lettre ouverte. C'est une chanson sur la célébrité. C'est une chanson sur la célébrité et sur les dérives de la célébrité si on n'est pas préparé. Elle est morte à 27 ans, je rappelle. Si sa nature n'est pas suffisamment costaud pour supporter la violence que la célébrité peut engendrer, ben, on peut finir comme ça. Voilà. Vous, c'est pas facile. Vous auriez pu mal finir aussi ? Ben, si je suis là, c'est que ça se passe bien. Oui, mais c'est une question il y a eu un nature, moment où vous dites que votre épouse vous a équilibré. Oui, oui, totalement. C'est sans doute grâce à elle que je suis encore là. Mais franchement... la célébrité, c'est en ce moment, c'est un peu tout le monde cherche à être célèbre, voilà, sur les réseaux sociaux, sans savoir ce que c'est. Et franchement, c'est pas forcément un cadeau de l'être, en tout cas pour rien. Pascal Obispo, dans cet album, on l'a dit, vous revenez sur certains faits marquants de votre vie. Vous écrivez sur ces faits dans une chanson, notamment « On n'est pas seul sur Terre ». Vous racontez un soir qui a bouleversé votre vie. Parmi les paroles de ce morceau, celle-ci, « On n'est pas seul sur Terre », me dit un jour l'homme de fer. Qui est cet homme de fer ? En fait, c'est une histoire que j'ai vécue, que j'ai jamais osé raconter. Et puisqu'il a fallu que je voulais écrire les chansons de cet album, je me suis dit autant raconter du vrai, des histoires vécues. Donc j'étais témoin d'un accident de voiture. J'ai vu à 100, 200 mètres comme ça, j'ai eu un éclat et puis j'ai pris peur. Je me suis arrêté et j'ai vu quelqu'un qui gisait par terre. Et voilà, donc j'ai aussi, je l'ai ramassé parce que j'ai eu peur qu'il se passe d'autres choses après, donc j'ai tout déblayé, j'ai ramassé cet homme, j'ai ramassé aussi son bras. Voilà, donc c'est bon, c'est quelque chose d'assez difficile à vivre. J'ai appelé les pompiers et un an après, lors de la célébration des Girondins de Bordeaux du titre en 2009, on m'a appelé pour aller signer un autographe. Je me suis approché, j'ai vu quelqu'un sur une chaise roulante. Et très très ému, qui m'a dit voilà, vous m'avez sauvé la vie. Donc toute notre histoire a commencé comme ça. Et vous continuez à vous voir aujourd'hui. Voilà. Donc en fait, l'histoire, pourquoi j'ai écrit ce texte, parce que cet homme est absolument bouleversant dans sa capacité. Enfin, c'est une vraie leçon de vie qu'il me donne, qu'il m'a donné depuis 10 ans. Parce que cet homme, avec ce bras en moins et cette jambe en moins, prouve que l'après peut être aussi bien, d'après ce qu'il dit. Aussi bien, en tout cas, peut-être agréable. Il donne du bonheur aux gens, il aide les gens, il est vraiment disponible pour les autres, il est d'une bienveillance incroyable, il ne demande rien et il avance comme ça dans la vie. Et c'est une idole, c'est exceptionnel. Je ne pouvais pas ne pas écrire ça parce que je l'ai vécu, mais aussi parce que c'est... Je pense que ça va toucher beaucoup de gens de savoir que c'est possible, que la vie ne s'arrête pas. Une fois qu'on perd ses membres, une fois qu'on a quelque chose de terrible, il peut y avoir un autre commencement, un autre début. C'est ce que je voulais dire aussi dans cette chanson. Voilà. Donc, il s'appelle Nicolas et je l'embrasse s'il me regarde. Pascal, vous êtes toujours engagé, et pas qu'un peu, pour les causes que vous vouliez défendre. La première, c'était le sida. Et vous aviez écrit la chanson « Sa raison d'être ». C'était en 98. 20 ans plus tard, vous allez être le nouveau parrain du Téléthon. Ouais. Mais j'avais envie de revenir sur une chanson engagée, évidemment. En 2002, vous avez réuni 45 footballeurs internationaux pour qu'ils chantent contre le sida, un très beau Love United. Et le plus compliqué, ça n'a pas été de les réunir, mais ça a été d'apprendre l'anglais à Zinedine Zidane. On va écouter juste un moment. Ça, c'est la voix d'Izou. Ouais. C'est pas mal. Écoute. The biggest team there is on earth. Il est en dessous. Ah oui, oui. Il a la voix grave. Oui, parce qu'on a d'un peu. Ouais, il y a à la fois Youssoum Ndour et lui. Quoi. Mais disons que pour Ensemble contre le sida, c'est vrai que ce qui est difficile, c'est... Enfin, ce qui était difficile à l'époque, c'était de modifier un petit peu les consciences. Moi, quand je suis arrivé, je trouvais que les actes étaient un peu violents pour arriver à ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire avoir des bénéfices, récolter des bénéfices pour les malades et pour la recherche. Vous parlez des actions d'Act Up, par exemple, qui étaient peut-être un peu trop musclées. Voilà, c'était mon point de vue. Je trouvais que si vous voulez vraiment qu'on arrive à trouver des solutions, on a besoin de récolter des fonds. Et pour récolter des fonds, on ne peut pas agresser les gens. Donc, évidemment, c'est important de dire les choses de manière radicale. Mais
Donc j'ai proposé ce clip, cette idée de clip avec cette solidarité, et on a continué à chaque fois. Donc j'essaye d'avoir des idées. Alors ça a été Noël ensemble, passer Noël ensemble. Ça a été les footballeurs. C'est vrai qu'on m'a dit, mais tu n'y arriveras jamais. Je lui ai dit, ah bon, j'y arriverai jamais. Ben écoute, je vais y aller alors. Il a fait le tour de tous les clubs. Exactement, j'ai fait le tour de tous les clubs. C'est Zizou qui a commencé. Et il m'a dit, t'inquiète pas, Pascal, si on n'a pas les autres, on va tous chanter l'équipe de France, etc. Oh, un peu comme le parrain. C'est un mec extraordinaire, Zizou. Il n'est pas là aujourd'hui pour rien. On a fait dans l'hôpital avec tous les acteurs aussi. On a fait Kiss and Love. Alors, à chaque fois, il faut avoir des nouvelles idées, c'est assez difficile, mais la recherche avance. Et on n'est pas loin de quelque chose, mais voilà, c'est aussi prévenir, quand on fait des actes comme ça, les adolescents, que la capote, c'est... On s'en passe pas. On s'en passe pas, parce que de temps en temps, c'est vrai que quand je parle à certains amis médecins, ils me disent que bon, quand ils sont une quinzaine à s'amuser, c'est un petit peu la totale, quoi. Ils sont tous contaminés. Ouais. Voilà. Ça peut être simplement des maladies un peu, voilà, oui, un peu plus soft, mais ça veut dire que ils n'ont pas conscience de ça encore. Donc, faut toujours prévenir et s'engager. Et pour le Téléthon, cette année, j'ai tellement de demandes depuis toutes ces années, comme je m'engage pour les restos, pour les sites d'action. J'ai tellement de demandes à chaque fois de gens, de familles, d'associations pour des maladies orphelines. Quand on m'a demandé pour le Téléthon, j'ai dit, bon, allez, on va faire cette année. Et là, je suis en train de tout préparer. J'essaie d'appeler des amis pour des objets aux enchères. Là, d'ailleurs, j'ai Mr. Brainwatch qui vient de me léguer cette année une toile. D'ailleurs, je peux communiquer. Ah bah oui, oui. Puisque là, aujourd'hui, je viens d'avoir la toile et on va mettre la toile aux enchères. Il va y en avoir encore beaucoup comme ça. On va récupérer évidemment des maillots de foot. Ah bah oui, je vais essayer j'essaie de faire ce que je peux avec les gens que je connais. Voilà, tout simplement. Aider, s'engager, ça veut dire aussi s'engager pour les jeunes générations qui veulent devenir chanteurs. Vous l'avez fait en participant pendant un an à The Voice. Et justement, le candidat que vous avez soutenu, Xam, a un message pour vous. Coucou, petite vidéo juste pour dire à Pascal que je le remercie pour l'année dernière et que je lui souhaite vraiment plein de bonheur et plein de réussite. Et ouais, j'attends aussi de pouvoir réécouter, là, je suis pressé, la chanson bleue, celle que tu chantes avec, avec ton amoureuse, Julie, que tu m'avais fait écouter un soir dans le taxi. Voilà, je l'avais beaucoup appréciée. Et ben, je vous fais des bisous à tous. Bah, il est rock, ouais. Ah bah oui. Il doit ressembler à l'adolescent que vous étiez à 16 ans. Dès que je l'ai vu, j'ai eu envie de chanter avec lui, évidemment. Il est comme ça, il a pas de limite. Et puis, il aime une musique qui est notre culture musicale. Il y en a d'autres, mais lui, il est à son âge. Il n'est pas passé dans l'urbain, qui est super aussi, mais il est dans le rock. Et voilà, sense. Et je l'adore, il est top. Il veut écouter Bleu, mais pas de chance. Ce soir, c'est Rien de dur que vous chantez sur la scène de C'est à vous. C'est l'heure du live.